تتواصل فعاليات المعرض الدولي للكتاب في يومه الثالث على التوالي في طبعته 22، حيث نظمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر حفل بيع بالإهداء لكتاب المجاهد الرمز زهرة ظريف الذي تم ترجمته مؤخرا إلى اللغة الإنجليزية. وقد صرحت المجاهدة زهرة أنها أقول فخورة بإيصال ولو جزء صغير من التاريخ الجزائري للعالم. التصريح رصده بوبكر بالقاسم. Je voudrais remercier l'ambassade américaine et monsieur l'ambassadeur des États-Unis qui a organisé cette rencontre avec le public algérien. J'ai été frappée et en même temps très heureuse par la présence de très jeunes Algériens. Ils étaient heureux de pouvoir lire un moment du combat que le peuple algérien a mené pour rendre la souveraineté à son État et la dignité à son peuple. J'ai eu cette chance et cette opportunité de porter la voix du peuple algérien à travers le monde, et ça grâce à la langue anglaise. La langue française est une très grande langue qui a donné beaucoup à la civilisation mondiale, mais qui actuellement n'est pas la langue internationale.